Alors le contexte économique, il est exceptionnel. On est en pleine crise sanitaire, les entreprises n'ont quasiment plus d'activité. Elles se retrouvent avec des grosses coupes budgétaires et c'est compréhensible, elles internalisent, voire elles interrompent des processus, dont le recrutement. Mais le contexte, il amène aussi à recruter, pour plusieurs raisons, soit un salarié qui est touché durement par la Covid, soit une réorganisation interne, soit dans le meilleur des cas, l'activité qui est boostée par la situation. Moi, je vais essayer de vous expliquer en deux points pourquoi c'est un avantage de faire appel à un cabinet de recrutement, même en temps de crise sanitaire. Alors le premier point, c'est que ça représente une économie d'argent. Recruter, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ça mobilise des équipes en interne, des RH ou des opérationnels. Ça engage des frais d'annonce, notamment. Ça aussi engage des frais d'abonnement à des bases de données externes. Il y a quelque chose qui est important quand vous travaillez avec un cabinet de recrutement, c'est qu'il y a une formule qui s'appelle le succès. Travailler au succès, c'est-à-dire qu'aucun frais n'est engagé par l'entreprise au lancement de la mission. Le cabinet met en place des moyens humains, financiers, techniques pour trouver le bon profil. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est une clause qui est majoritairement mise en place dans les partenariats avec les cabinets de recrutement qui s'appelle la garantie de remplacement. Une erreur de casting, ça peut arriver, ça peut venir du salarié ou de l'entreprise. Et le cabinet de recrutement, avec cette garantie de remplacement, s'engage, si le salarié s'en va sur sa période d'essai, à le remplacer gratuitement. Le deuxième point, c'est un gain de temps considérable. Recruter, ça prend du temps. Et en mandatant un cabinet de recrutement, l'entreprise, elle se soulage de la charge que représentent toutes les étapes du processus de recrutement, c'est-à-dire la rédaction des annonces, la diffusion des annonces, le tri des CV, les préqualifications téléphoniques et tous les entretiens. Toutes ces charges-là, elles sont gérées par le cabinet de recrutement. Il y a un autre point qui va faire gagner du temps à l'entreprise, c'est souvent dans les cabinets de recrutement, il y a une base de données interne qui existe. Et en fait, cette base de données interne, elle recense tous les candidats qui sont déjà ciblés, rencontrés et évalués par les recruteurs. Il y a autre chose, c'est que le temps utilisé habituellement par les collaborateurs sur le sujet, il va pouvoir être utilisé soit pour leur activité principale, soit pour des projets de développement interne. Concernant l'erreur de casting, il y a d'autres impacts qui sont un peu moins quantifiables. La première chose, c'est ça peut être une démotivation des équipes qui se voient réorganiser à chaque fois parce qu'il y a un nouveau salarié qui arrive. Et puis ça peut être aussi l'image de l'entreprise qui est dégradée vis-à-vis des clients ou des fournisseurs qui se voient trop souvent changer d'interlocuteur. Et les cabinets de recrutement, notre métier c'est de recruter. Nous en tant que consultants, on fait ça tous les jours. On rencontre des candidats spécialisés sur les métiers tous les jours, de manière proactive ou parce qu'on est mandaté. Et du coup, on est là aussi pour limiter ces erreurs de casting. Pour conclure, recruter ça coûte cher, ça prend du temps. Forcément, quand on mandate un cabinet de recrutement, ça représente un coût, mais ce coût, il est moindre comparé à ce que représente un recrutement internalisé.